Et notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de 7h sur la RTNC. Ce journal part de Johannesburg en Afrique du Sud où le Premier ministre a participé au 15e sommet de BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Jean-Michel Samalukonde-Kenge a eu sur place un moment de restitution avec la délégation congolaise sur la participation de la RDC à ses assises. Reportage Patti Tondouango, Bienvenue Loussala et Marcel Moubenga. En séjour en Afrique du Sud depuis le mercredi 22 août 2023, le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde-Kenge, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au 15e sommet des BRICS, a fixé l'opinion sur l'objet de sa mission au pays de Cyril Ramaphosa. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu nous mandater pour le représenter ici au sommet du BRICS, après une invitation formelle qui a été adressée à la République démocratique du Congo. Et donc, comme pays invité, nous avons voulu venir représenter par moi-même, sous mandat du président de la République, mais aussi avec les ministres sectoriels avec lesquels nous faisons le suivi sur ces questions économiques. Jean-Michel Samalukonde-Kenge, en marge de ces forums économiques de Johannesburg, qui regroupe des pays émergents, notamment la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, effectué une visite surprise à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, précisément à Pretoria. Les questions liées à la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud ont été passées en revue. Nous avons pensé que ce serait faire œuvre utile de faire un stop au niveau notre ambassade ici en République sud-africaine. Cette représentation avec non seulement monsieur l'ambassadeur qui nous a accueillis, mais aussi toute l'équipe. C'était l'occasion un peu de passer en revue, d'abord du point de vue bilatéral, ce que nous avons comme entente avec l'Afrique du Sud et peut-être des points qui devraient être soulevés au niveau du gouvernement, poursuivis, mais aussi avoir l'occasion, pendant que nous sommes ici, en terre de la République démocratique du Congo, d'avoir une audience qui nous avait été demandée par la République d'Haïti. Et par la suite, pour nous, c'est toujours bien, dans le travail que nous faisons à côté du ministère des Affaires étrangères, de nous assurer en tout cas du suivi de nos représentations. Et ici, pour le dire, une innovation, étant donné qu'il y a eu quand même aussi de nouvelles acquisitions en termes de bâtisses. Donc c'était un bon moment d'échange entre nous et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. On fait partie de la délégation du chef de l'exécutif national, les ministres de l'Industrie, les vice-ministres des Finances et des Affaires étrangères. Le séjour du Premier ministre en Afrique du Sud était également une occasion pour lui de rencontrer l'ancien Premier ministre de l'Haïti et le directeur général de la société Digiloom. Ils ont échangé les possibilités d'investissement dans les nouvelles technologies et le financement innovant en République démocratique du Congo. Reportage. Le 15e sommet des BRICS à Johannesburg, une opportunité pour le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kenge et ministre du chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ses forums économiques discutés avec le Premier ministre honoraire haïtien et le directeur général des Digiloop spécialisés en nouvelles technologies digitales pour les financements innovants. Quelques questions de coopération bilatérale basées sur les financements et les opportunités qu'offrent aujourd'hui les marchés congolais qui, selon Laurent Lamothe, Premier ministre honoraire haïtien, est énorme à travers le monde. Nous avons pu explorer différents points, parmi lesquels les technologies de pointe pour le financement innovant, pour la souveraineté financière de l'Afrique. Et nous avons pu quand même échanger sur les différentes opportunités que présente le marché congolais, un marché aussi qui progresse. Et nous avons pu constater des progrès du gouvernement et aussi en technologique. Donc ça a été une réunion principalement axée sur la technologie et sur le financement innovant. Il est temps que nos pays, que les pays d'Afrique, les pays en voie de développement, que nos pays aient leurs propres moyens de financer leur développement. À Johannesburg, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kenge est porteur d'un message du président de la République au 15e sommet des BRICS.
Un cas de monkeypox confirmé à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Les services et organisations se mobilisent déjà pour la bonne prise en charge des cas. Un lot important des médicaments et autres outils de prise en charge a été remis à l'hôpital ex-Mamaemo, dont de l'OMS. Reportage Joël Kaimbe. Après l'alerte du premier cas de monkeypox, les troupes se sont mobilisées. Général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, actuel centre opérationnel pour la prise en charge de cette maladie, une Jeep TXL et plusieurs cartons contenant des matériels et autres outils sont déchargés du véhicule pour rassurer la population et les corps médicaux sur la détermination d'éradiquer ces nouvelles ennemis de la santé. C'est juste une remise de lot importante de médicaments, de matériel et engins roulants que l'Organisation mondiale de la santé, à travers les instructions de M. le représentant de l'OMS en RDC, Dr Ama Sambo Bourema, pour mettre à la disposition du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, et tout cet important médicament, matériel et équipement, pour renforcer la prise en charge des cas de monkeypox qui ont été notifiés dans la ville de Kinshasa, également renforcer la protection du personnel de santé, renforcer la surveillance épidémiologique à travers les investigations, le listage et le suivi des contacts dans les différentes communautés et dans les structures sanitaires. Ce lot d'intrants pour la gestion des monkeypox est un atout majeur pour les responsables de la gestion de cette crise sanitaire. Nous sommes très heureux, comme vous l'avez vu tout à l'heure, là, de recevoir ce lot d'intrants pour appuyer la gestion du monkeypox comme incident. La variole du singe est une maladie infectieuse virale rare due au virus monkeypox transmise essentiellement par les rongeurs à l'homme, puis de personne à personne par des gouttelettes au contact rapproché. Le procès Mwanga Tchoutchou s'achemine vers son épilogue. Le député national est accusé de haute trahison. Déjà demain vendredi, l'audience sera consacrée au réquisitoire du ministère public. Mais en attendant, suivons ce qu'a été le contenu de la dernière audience dans ce commentaire de Cédric Kenina. C'est pratiquement le dernier virage dans le procès du député national Edouard Mwanga Tchoutchou. La plaidoirie de la défense, les réquisitoires du ministère public et les conclusions de la partie civile sont annoncées pour l'audience du vendredi 25 août prochain. La décision a été prise par la haute cour militaire au cours de l'audience de ce mardi. Dès l'ouverture de celle-ci, l'officier du ministère public a sollicité du juge la réqualification de l'infraction d'espionnage en infraction de trahison. Après un bref débat, les juges présidents de la composition a renvoyé la cause au vendredi pour les débuts de la plaidoirie. Par ailleurs, le député national Edouard Mwanga Tchoutchou est poursuivi dès lors pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention d'armes et trahison. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC reste d'actualité. Et ce sujet a été également évoqué lors de la rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU. Nicole Sessé pour d'autres détails. Les Nations Unies, très préoccupées de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Réaction de Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, à l'issue de son entretien avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bagombo. Pour ce premier contact, plusieurs points ont été abordés entre les deux personnalités, notamment les questions relatives à la réforme de la sécurité pour lesquelles la MONUSCO et les Nations Unies sont impliquées, la dégradation de la situation humanitaire de nos compatriotes déplacés internes autour de Goma. On a parlé de la situation humanitaire à l'Est et la question de la protection des civils. Du fait de la résurgence de certains conflits, il y a eu une très nette détérioration de la situation humanitaire et puis certaines contraintes pour l'action humanitaire pour apporter secours à toutes ces personnes qui ont été déplacées, notamment autour de Goma. Donc on a parlé de ça, y compris de la question très importante de l'augmentation des violences sexuelles liées au conflit.
C'est aussi un domaine dans lequel il y a des échanges avec le ministère de la Défense, les FRDC. À noter que les Nations Unies appuient la stabilisation et la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo dans différents angles. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, assure l'implication du gouvernement pour faciliter la libre circulation de biens et des personnes dans la zone de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est en tout cas ce qui ressort de son entretien avec une délégation du Haut Conseil de la CEAC. Annie Balaka, reportage. L'importation illicite et la contrebande du cacao en RDC. Les associations des exportateurs sollicitent l'implication du vice-premier ministre Vital Kamerhe. Une demande faite le mardi 22 août 2023 dans son cabinet de travail. Il s'agit de l'association des exportateurs du cacao café de la RDC et d'Esco Kivu. Leurs échanges avec le patron de l'économie nationale ont porté sur les questions des produits agricoles de la RDC et leurs exportations. Il fallait réfléchir sur des voies et moyens de remettre de l'ordre dans ce secteur au regard de l'importance des exportations qui constitue un outil capable de faciliter l'importation des devises étrangères en RDC, mais aussi un levier fondamental de la croissance économique. Les exportateurs ont sollicité des mesures fortes de la part du VPM pour mettre fin aux exportations illicites et à la contrebande qui font perdre chaque année plusieurs millions de dollars au trésor public. Nous voyons qu'il y a beaucoup de potentiel pour l'augmentation de volume de production qui est à 60 000 tonnes actuellement, mais nous envisageons qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Donc, au-delà de ce que la loi prévoit, il y a d'autres services qui surchargent les exportations ou bien les entreprises avec les taxes qui ne sont pas légalisées. Nous sommes exportateurs du café depuis 40 ans. C'est renforcer l'esprit de collaboration entre les secteurs privés et les secteurs publics. Très attentive à cette problématique, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'est dit disposé à réserver des réponses idoines aux préoccupations de ses hommes d'affaires. La Commission nationale pour les réfugiés vient d'être dotée d'un cadre et structure organique pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. C'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a présidé cette brève cérémonie. Reportage Cédric Enina, Nadine Kilosho, Mokemalo. Enfin, la Commission nationale pour les réfugiés, CNR en sigle, dispose d'un cadre et structure organique qui permet à cette structure de disposer d'un outil moderne de gestion des communications et d'évaluation définissant clairement les responsabilités. L'importance de ces cadres organiques, il y a d'abord un contexte de maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Ensuite, une volonté de rationaliser les administrations pour leur fonctionnement optimal. S'il y a des postes à combler au sein de ces services importants, il faut savoir que nous avons fait le choix de bannir les systèmes de privilèges et de recommandations. La signature de ce cadre et structure organique a été effectuée le mercredi 20 août 2023 par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, en présence du vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipé. La remise et réception des documents portant cadre et structure organique de CNR marque ainsi l'aboutissement des travaux de la commission mixte composée des experts de deux administrations, à savoir fonction publique, ministère de l'Intérieur. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place petit à petit des mécanismes qui permettront un jour à soir un système de gestion pour les réfugiés efficace. Selon le secrétaire permanent de cette structure, Eric Mukandila, c'est 21 ans après que la CNR bénéficie de cet outil important. C'est une grande joie et avec beaucoup d'émotion parce que ça fait 21 ans depuis sa création que la CNR était comme une structure abandonnée. Ce cadre et structure organique élaboré est destiné à servir de boussole dans la transformation du mode de gestion nationale des ressources humaines de la Commission nationale pour les réfugiés. La Maison des élections, un cadre d'échange et de partage sur le processus électoral, vient d'ouvrir ses portes. Les activités ont été lancées hier mercredi par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Reportage Téti Samba.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante a procédé ce mercredi 23 août 2023 à l'inauguration de la maison des élections. Denis Kadima Kazadi a coupé le ruban symbolique avant de dévoiler son enseigne lumineuse en présence des membres de l'Assemblée plénière, des cadres et agents de la centrale électorale, ainsi que d'un parterre d'invités, notamment le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, Damien Mama. Ouverte à tous citoyens pour faciliter les interactions, la maison des élections d'offrir, comme l'a affirmé le numéro 1 de la centrale électorale, un espace d'échange et de partage entre la CENI et de nombreux visiteurs qu'elle va accueillir. Elle se veut surtout un cadre vivant et un carrefour d'informations qui va faciliter les interactions dans le respect mutuel. Denis Kadima Kazadi a en outre annoncé que dans les prochains jours, ce lieu va accueillir le représentant des radios communautaires car la CENI veut ainsi mettre à la disposition de ses médias un maximum d'informations sur les activités importantes à venir, le cadre légal et ses innovations. Ce projet nous tient à cœur. Il concrétise les engagements pris dans notre plan stratégique conçu en janvier 2022. Dans ces deux axes, axes 2 et 3, la maison des élections, elle est donc un outil de communication en mesure d'accompagner les efforts de la CENI dans l'inclusivité et la transparence. Auparavant, le rapporteur adjoint Paul Moïne Moulemberi a pour sa part soutenu qu'une fois sa stratégie d'interaction avec les acteurs au processus électoral mise en marche, la maison des élections va d'ici, avant le scrutin de décembre, promouvoir et consolider l'appropriation électorale. Le représentant résident du PMUD a souligné qu'au-delà de l'édifice, il y a un cadre qui favorise un dialogue constructif avec divers acteurs impliqués dans le processus. La coordinatrice du projet, Marie-Laure Yawan, a mis en exergue l'efficacité de ce moyen de communication que constitue la maison des élections qui permettra une plus grande accessibilité et contribuera également à recréer une nouvelle image de l'institution. Au terme de différentes interventions, la visite guidée de la maison des élections a permis à l'assistance de se faire une idée précise des commodités dont elle est pourvue pour accueillir en toute convivialité les visiteurs en quête d'informations utiles sur la CENI et ses activités. Le comité scientifique de l'UNPC, l'Union nationale de la presse congolaise, a rencontré hier le ministre des médias. Patrick Muyaya attend de cette structure un projet clair et faisable de l'organisation du prochain congrès. Nous saluons le pragmatisme de M. le ministre qui hier a reçu les documents des conclusions des travaux du comité scientifique et aujourd'hui nous a invité pour une réunion pratique sur la faisabilité de toutes les recommandations qu'on a pu formuler hier. Donc aujourd'hui, nous sommes rassurés que le congrès doit se tenir au plus tard du mois de septembre. Et parce que le ministre est engagé, et comme notre porte-voix au gouvernement, de pouvoir tout faire, tout mettre en œuvre pour qu'il y ait levé des fonds le plus rapidement possible. On peut dire aujourd'hui que les tendances qui pouvaient avoir un débat entre elles, les personnes qui pouvaient peut-être avoir quelques frictions entre elles, tout ceci est derrière nous. Nous travaillons tous pour que ces congrès se tiennent assez rapidement, dans les bonnes conditions, de sorte que le comité organisateur qui sera mis en place dans quelques jours soit représentatif. Et j'invite tous les journalistes, tous les professionnels des médias de Kinshasa à adhérer à cette nouvelle dynamique pour que ce congrès se passe dans la paix, la sérénité. Et puis cette mise au point de la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise qui informe l'opinion. Ces agents et cadres n'accusent aucun retard de salaire. En outre, la prime de motivation spéciale appelée Maboko Bank, qui constitue 25% de leur salaire payé par le Trésor public et récemment bancarisé, a été liquidé pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023. Ce retard n'est nullement imputable à la direction générale, contrairement aux rumeurs distillées à travers les réseaux sociaux. C'est un communiqué signé Madame Elenge Nyembo Sylvie, directeur général. La modernisation des grandes artères de la ville de Gemena dans le sud Oubangui pour bientôt à l'initiative du président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi, son directeur de cabinet adjoint en charge du progrès social, a rencontré les responsables des entreprises sélectionnées pour exécuter les travaux. Reportage. Va bientôt souffler sur le sud Oubangui, dans le Grand Équateur. La province devra bénéficier de plusieurs infrastructures de base dans le cadre d'un nouveau programme de modernisation initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un calendrier d'exécution des travaux a été arrêté ce mercredi 23 août 2023 lors d'une réunion au Palais de la Nation, présidée au nom du chef de l'État par son directeur de cabinet adjoint en charge du progrès social, Olivier Mondongue. Ont pris part à cette séance de travail les acteurs impliqués dans la réalisation du programme présidentiel parmi du sud Oubangui, le représentant du BCECO, le maître d'ouvrage, les prestataires actionnés Aaron Sefou et Serkas Imo, mais aussi quelques du chef de l'État. Les travaux dans le sud Oubangui comprennent deux volets, la réhabilitation et la construction des quatre écoles emblématiques de Guémena ainsi que les bâtiments du gouvernorat de province et de l'Assemblée provinciale. Le second volet concerne la construction et l'asphaltage des 10,7 km de voirie urbaine à Guémena et enfin la construction des trois ponts et la réalisation des travaux anti-érosifs. L'ensemble de ces choses vont faire que la province du sud Oubangui va aujourd'hui devenir une province qui va donner une impulsion nouvelle. Et là, nous avons fait les études, quantifié, faire l'état des lieux, rassembler tout ce qu'il faudra pour que les entrepreneurs à mes côtés soient en mesure de matérialiser ces projets. Province pilote à ce programme présidentiel, le gouverneur du sud Oubangui s'est réjoui pour cette entité longtemps oubliée. Nous sommes une province à bâtir parce que pendant les 30 dernières années, rien n'a été fait pour dire vrai et c'est seulement sous cette mandature, sous le leadership du chef de l'État que les choses bougent et elles bougent vraiment beaucoup et dans le bon sens. Ce projet dont la matriculation devrait durer 6 mois est porté depuis plusieurs années par les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État Olivier Mondongue avec une implication technique du BCECO qui en assure la matérialisation. Ouverture hier mercredi de l'atelier national sur l'application de la dotation 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières lancé par le ministre d'État en charge du plomb. Ces travaux ont pour objectif d'échanger sur comment jeter les bases pour une redistribution équitable des revenus issus du secteur extractif. Reportage Françoise Bouélaboaké et Pompomba. Un récent rapport publié par l'ITIE RDC sur la gestion transparente des revenus au bénéfice des communautés a soulevé le débat. Le prélèvement des 0,3% minimum sur le chiffre d'affaires des entreprises minières pour soutenir les projets de développement dans les milieux impactés par l'activité minière peine à s'exécuter, a relevé la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa-Tuluka. Que dans sa récente communication au Conseil des ministres du 7 juillet dernier, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a fait cas du non-respect par certaines sociétés minières de leur engagement pris dans les cahiers des charges conformément à l'article 258 du Code minier, alinéa 4, mais aussi du retard considérable dans l'élaboration des cahiers des charges par certaines entreprises minières. La tenue de cet atelier avec l'appui des partenaires dont l'Union européenne et la GIZ est une occasion d'échanger avec toutes les parties prenantes afin de mieux appliquer la loi, a mentionné le ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga. Je salue l'implication et l'appropriation de ce processus par la population locale impactée et encourage les acteurs de la société civile à accompagner les efforts du gouvernement dans ce processus qui est pour nous une grande occasion de répondre au credo maintes fois exprimé par le chef de l'État, à savoir le peuple d'abord. La transparence et la bonne gouvernance sont des valeurs prônées pour améliorer les conditions de vie des populations. Et en prélude de la prochaine échéance de validation à la norme de l'ITIE, il s'est ouvert le mardi à Kinshasa un atelier d'évaluation du niveau au profit des entreprises publiques du portefeuille. Reportage Rikinzuzilo Yamayawelo.
Les entreprises extractives sont partie prenante importante dans le processus ITIE. Elles participent cependant aux déclarations régulières des informations sur tous les maillons de la chaîne des valeurs des industries extractives. C'est pour mettre à la disposition du grand public les précieuses données en discussion sur la norme ITIE, ce qui implique la divulgation systématique des informations, spécifiquement celles liées aux entreprises publiques pour cet atelier ouvert sur l'évaluation du niveau avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet Encore, souligne Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national ITIE-RDC. La norme ITIE requiert des pays de mise en œuvre une divulgation systématique des informations du secteur. À ce propos, je constate avec satisfaction que la Gécamine, la Cominière, la Sokimo, la Niba, la Sakima ainsi que la Sonaïdroc disposent déjà des sites internet accessibles. Il est apparu important pour cette activité de focaliser l'attention sur les entreprises du portefeuille de l'État. Et du point de vue déclaration à l'ITIE, elles jouent un double rôle. Elles sont entreprises extractives, en même temps entités perceptrices des recettes contractuelles. La RDC se doit donc de rencontrer cette recommandation avant la prochaine échéance de validation de janvier 2025. Et sachez que l'Italie veut réactiver le partenariat existant avec le Fonds de promotion pour l'industrie dans le secteur d'industrie agro-pastorale en RDC. Déclaration de son ambassadeur accrédité en RDC lors d'une rencontre avec les responsables du FPI Alain Bikaï. Les relations entre les fonds de promotion de l'industrie et l'ambassade de l'Italie en République démocratique du Congo sont au beau fixe. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur Alberto Petrangheli est allé échanger avec les staff dirigeants du FPI, les directeurs généraux Bertin Moudi-Moutisekedi et Martin Ouidilo ont saisi l'occasion pour échanger sur les modalités de relance du partenariat qui a déjà porté ses fruits. Le diplomate italien a évoqué la réactivation du projet relatif au montage des unités modulaires de transformation avec l'expertise des Self-Globe et de la poursuite des sessions de formation des formateurs de petites et moyennes entreprises spécialisées dans les domaines agro-pastoral. On a des projets en cours dans les domaines de la formation agricole et de la formation des petites et moyennes entreprises dans les domaines de la transformation des produits agricoles primaires. On a aussi des projets dans les domaines de l'énergie. Le numéro 1 du FPI a réaffirmé la volonté de l'établissement public de collaborer avec l'ambassade de l'Italie. La RDC et l'Italie ont une histoire en ce qui concerne la coopération qui date de longtemps. Et il était venu pour réchauffer cette coopération et voir comment est-ce que l'Italie peut être en appui au FPI dans le financement de projets d'investissement et également dans la création de nouvelles industries qui peuvent contribuer au développement de la RDC. Il s'est dénoté que cette rencontre se déroule après la participation fructueuse d'une délégation du FPI conduite par Bertin Moudi-Moutisekedi en avril dernier à la fois agricole Agritravel à Bergamo en Italie. Des autorités municipales de la commune de Cassavubu veulent éradiquer le banditisme. La sensibilisation s'est faite lors de tournois organisés dans chaque quartier de cette commune. Les détails avec Chimène Dondo. On assiste ces derniers temps à la recrudescence de phénomènes Kuluna dans certains quartiers populaires de Kinshasa. Le jeune organisé en gang s'affronte à la machette pour des faits anodins. Le jeune de la commune de Cassavubu dit non à ces phénomènes. Pour faciliter la connexion entre eux et l'amour, un tournoi a été organisé dans quelques quartiers de la commune de Cassavubu. La finale a opposé deux quartiers Asosa et anciens combattants qui a eu lieu dernièrement sur le terrain municipal d'Asosa. Les scores s'est clôturé par la victoire au tir au but d'anciens combattants après le score de parité de 2-2. Nous avons organisé cette compétition pour occuper les jeunes de la commune de Cassavubu pendant ces temps de vacances afin qu'ils puissent s'adonner à des activités saines et qu'ils ne puissent pas être une jeunesse délinquante, une jeunesse qui s'adonne à la criminalité, au kidnapping, au kuluna, mais que ce soit des jeunes responsables, car selon la vision de son excellence
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, il a mis la jeunesse au centre de sa politique. C'est comme ça que dans cette idée-là, nous sommes en train de l'accompagner afin que les jeunes soient responsables et qu'ils puissent être véritablement l'avenir de notre pays. Cette fête de la jeunesse de Kassavubu s'est clôturée par la remise de trophée par Maître Freddy Kongolo, accompagné de quelques autorités municipales et le président de l'ISO. Fin de ce journal qui a été réalisé par Discover Pongo, Papi Ngina Mao, Mamita Bangoulou. La partie technique est assurée par Jerry Mawassa, Joël Piangou et Maurice Mbewa. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Emendaya. Très bonne suite de programme sur la RTNC.